Salut tout le monde, c'est Liverblow et on se retrouve pour la suite et fin de mon WT sur Batman Arkham Asylum. Donc puis la dernière partie, c'est là où je vais terminer le mode histoire et les derniers défis qui me permettront d'arriver au 100% du jeu. Hein. Donc il me reste 3 défis que vous retrouverez en fin de vidéo. Et il me reste donc le mode histoire à terminer. Donc quelques défis de l'homme mystère à trouver, quelques énigmes, quelques petits trucs par-ci par-là et... dont ça. Voilà. Donc déjà c'est dit dans le Joker, c'est fait. Voilà, donc on a détruit toutes les dents. C'est magnifique. Donc il nous reste encore 2 bâtiments à faire. À re-explorer pour tout bien trouver tous les secrets. Donc le centre médical et le pénitencier. Le centre médical, on n'y a été qu'une seule fois, pénitencier aussi, mais centre médical, c'était beaucoup plus tôt durant l'histoire. Donc, il y a vraiment beaucoup de secrets à trouver à l'intérieur. Et justement, j'y vais tout de suite. Donc oui, fin du WT, c'est triste. Bon, ce sera probablement pas la dernière vidéo. Merde, pourquoi je... Alors, je me suis trompé de bouton, c'est magnifique. Probablement pas la dernière vidéo. Puisque en fait, je possède l'édition Game of the Year de Batman Arkham Asylum, donc il y a des bonus supplémentaires. Donc c'est plutôt cool. Et pourquoi je fais ça? Hop, donc là, petit secret. Tac. Donc je possède l'édition Game of the Year, donc j'ai du contenu additionnel que j'aimerais bien vous montrer. Ah, bah tiens, allez, biographie. Alfred Pennyworth. Alors, histoire. Après avoir enchaîné différents emplois, Alfred Pennyworth fut engagé comme majordome chez les Wayne à la mort des parents de Bruce. C'est lui qui éleva le jeune orphelin et qui l'aida, non sans hésitation, dans sa transformation en Batman. Ses nombreuses compétences, de la cuisine à la médecine, font de lui le meilleur allié de Batman. Son comportement solennel remet le chevalier noir sur terre et détourne l'attention de ceux qui pourraient soupçonner la véritable identité de Bruce Wayne. Attribut. Acteur doué, formé aux techniques médicales d'urgence, bonne connaissance des systèmes mécaniques et informatiques, expert en arts ménagers, personnalité flegmatique. Contrairement à Batman, Alfred est prêt à utiliser des armes à feu en cas de crise. Donc ouais, il y en a quand même encore un peu beaucoup des biographies. Donc je vous en ai encore une autre. Ra's al Ghul. Ra's al Ghul est un homme pratiquement immortel, dont le nom signifie la tête du démon. Son passé est entouré de mystères, mais on sait qu'il a traversé les siècles grâce au puits de Lazare, qui contient un fluide alchimique mystique aux propriétés rajeunissantes. Brillant stratège, Ra's al Ghul a pour but d'empêcher la dévastation écologique de la planète en décimant sa population. Il considère Batman comme un adversaire à sa mesure et un allié potentiel, mais le justicier masqué refuse d'accepter ses méthodes. Batman entretient également une relation ambiguë avec la belle Talia, la fille de Ra's al Ghul. Attribut, génie et stratège, force et endurance supérieure, excellent en combat à main nue formé durant des millénaires, pratiquement immortel grâce à son puits de Lazare, dirige une légion de partisans dévoués à réaliser sa vision d'un paradis terrestre. Bon voilà, pour l'instant. Donc oui, j'ai du contenu additionnel dans cette version Game of the Year. Donc j'aimerais bien vous le montrer. Toutes les figurines débloquées, j'aimerais bien vous les montrer aussi, mais ça sera dans donc une 9e vidéo, hein, parce que celle-ci c'est la 8e. Hop, oh, bah, un esprit d'Arkham, décidément. Hop, bah, hop. Encore une fois, je me surpris à l'observer. Personne ne peut le soigner. Il se moque de ceux qui essaient. Amadeus ne voulait pas qu'il vive. Et moi non plus. Une gorgée de cognac et je fus prêt. Voilà. Donc dans cette vidéo, fin de l'histoire et fin des défis... propre au jeu, hein, des défis dans le jeu quoi. Et dans une future 9e vidéo, donc pas la semaine prochaine parce que bah c'est du défi du contenu additionnel, donc c'est surtout des défis qui ne servent pas à arriver au jeu à 100%. Je vous montrerai aussi les figurines. Et j'aimerais bien aussi trouver la version PS3 de ce jeu, puisque en fait la PS3 contient des défis exclusifs où on peut manipuler le Joker. Donc ça serait pas mal que je la trouve. Et que je puisse vous les montrer. Et donc la 9e vidéo de ce jeu
qui ne contiendra que des bonus et puis des voilà que des bonus. Bah il faudra attendre avant de la voir arriver parce qu'il me faut la version PS3 de ce jeu. J'essaie de la trouver donc je parle à plusieurs personnes possédant une PS3 ou susceptibles de connaître le jeu, de connaître quelqu'un qui possède le jeu, mais j'ai du mal à la trouver hein, bizarrement. Hop, encore un esprit d'Arkham. Il me regarda entrer dans la cellule. Il sourit à la vue du couteau. Je lui dis quel était mon but, comment je voulais nettoyer la ville. Et puis, l'horreur. Je fus paralysé. Je luttais, je hurlais, mais en silence. Le monstre me regarda, impassible. Lentement, il passa la lame sur mon front. Un sourire apparut sur son affreux visage de porcelaine et des horreurs sortirent de sa bouche. En riant, il m'affubla de ce surnom affreux. Donc le surnom, c'est Sharpie. Donc j'espère que vous avez trouvé qui c'est hein, quand même le gars qui parle, qui nous parle depuis le début du jeu à travers cet esprit d'Arkham. Donc là on est dans le centre médical et j'essaie de trouver les derniers secrets qui me manquent. Connaît les soi-disant super criminels. Il y en a encore pas mal hein. Mais ce n'est pas tout. En fait, il y en a quasiment dans une des chaque salle de ce bâtiment. Hop, tac. Alors oui, si vous avez remarqué aussi, je n'ai plus de points d'expérience à gagner, si vous voyez bien en haut. Bon, pour l'instant, bah, quand j'ai battu le fou tout à l'heure, vous l'avez peut-être vu, j'ai récupéré aucun point d'expérience. Ou peut-être... mais en tout cas, le rond ne se remplit plus. Voilà, un petit trophée, tac. Pourquoi? Parce que tout simplement, bah, j'ai atteint le niveau maximum. Je peux acheter toutes les améliorations, j'ai plus rien à récupérer. Donc justement, ce que je vais faire, je vais prendre les améliorations. Donc les améliorations d'armure, pour l'instant, il me reste la 3 et la 4, donc pour l'instant, je vais les garder. Pour le boss final, bien sûr. Par contre, je vais prendre ça. Donc détonateur multifréquence, donc permet de déclencher le jet explosif de façon sélective, utile pour éliminer vos ennemis de façon plus stratégique. Voilà, c'est moi qui choisis quel gel explosif, parce que je peux en mettre 3, comme vous avez vu. Quel je veux faire péter. Explosion de proximité automatique, un meilleur jet explosif qui explose automatiquement si une menace est détectée. Voilà. Donc lorsqu'un ennemi s'approche, il élimine directement. Le jet explosif explose directement. Voilà, donc j'ai pris ces deux trucs là. Et bien sûr, vous avez vu, il me reste encore deux améliorations à prendre. L'armure, mais ça je le garde pour le boss. Ça peut être utile. Alors ici, qu'est-ce qu'il faut que je récupère déjà? Que je vois la salle. Ah oui, alors eux se sont barricadés vraiment. Il y a au moins des survivants. Il n'y en a pas beaucoup, hein, comparé à tout ce qu'il y avait au début, mais il y en a quand même. Donc là, oui. Non, je ne sais plus ce que je dois faire. Ah oui, c'est vrai. Je me souviens qu'il y a un truc ici, mais à chaque fois, je passe à côté, celui-là. Bon, je pouvais pas le prendre la première fois que je passais ici, mais à chaque fois que je reviens, je sais qu'il y a quelque chose, mais à chaque fois, j'oublie. Qu'est-ce qu'il y a? C'est juste ça. Tac. On va t'offrir des énigmes, il n'y en a plus beaucoup. Hein. Qu'est-ce qu'il nous raconte de beau? D'habitude, j'aime les feux d'artifice, mais, bah, vous savez... Des feux d'artifice. On a quelque chose à fêter? Oui, la fin du jeu! Youhou! Tu parles du barricade. Genre, c'est des ennemis qui arrivent, ils n'arriveront pas à passer au-dessus, quoi. Nous sommes là pour vous aider. Donc là, on va se diriger à l'étage inférieur de ce bâtiment. Puisque... l'étage inférieur où est-ce qu'on trouvait Bane, hein, si vous vous en souvenez bien. C'est où est-ce qu'on a été chercher Gordon la première fois. Enfin, la première fois, la seule fois, c'est là où t'es enfermé Gordon avec Harley. Et Bane aussi.
Donc d'abord, il y a encore un secret dans cette salle à récupérer. Oui, il y avait beaucoup de secrets dans cette salle. Il y avait un esprit d'Arkham, il y avait un entretien, il y avait un trophée en bas. Il y avait une énigme de la cellule de Croc, l'énigme point d'interrogation, et il y a encore un truc ici. Encore un trophée. Tac. Des dents du Joker, n'en parlons pas. Donc là, cette fois-ci, pour descendre en bas. Descendre en bas, oui, j'adore. C'est par ici. Tac. Youhou! Non, d'abord, là, ouais. Tu vas retirer ton chapeau devant Harley Batou. Donc c'est ça, hop. Donc apparemment ici, parce qu'avant, Harlene Quinzel était un médecin de cet hôpital, et jusqu'après elle était venue complètement folle du Joker, hein, comme vous le voyez. Donc à mon avis, ici c'était le bureau d'Harley Quinzel, donc de Harley Quinn, hein, du médecin. Ou bah elle avait comme premier patient le Joker, hein. C'est un peu con de lui donner ça comme premier patient, mais bon, que voulez-vous? C'est pas moi le directeur de l'hôpital. Et comme vous voyez, bah elle est devenue complètement folle de lui. Donc sa salle est... son bureau est un peu à l'abandon, hein. Donc ici, oui, on pourrait repasser par là. Tac. Choc et froid. Oui, voilà, donc on va débloquer les derniers défis. Je vous retrouve en fin de vidéo. Par là. Hop. Je suis encore sûr qu'il y a quelque chose à récupérer ici. Voilà, c'est ça. Donc bien sûr, vous aurez l'entretien de l'homme mystère. Voilà. Donc là, on retourne carrément dans la salle de Bane. Parce que il y avait un entretien carrément dans ce là où il était enfermé. Je pouvais pas récupérer vu qu'il y avait une scène cinématique qui s'enclenchait. Youp. Mais ça paraît un peu labyrinthique, hein. Si vous avez jamais joué au jeu, moi je l'ai joué tellement de fois que je connais toutes les salles par cœur où est-ce qu'il faut aller à peu près. Donc j'ai plus besoin de regarder les plans, mais la première fois on regarde beaucoup les plans, hein, pour savoir où aller, quel chemin prendre. Allez, et puis je vais vous laisser avec l'entretien de l'homme mystère. Les entretiens de l'homme mystère. L'homme mystère que je vous avais déjà lu, sa biographie. Je crois bien. Lui par besoin principal. Ouais, je vous avais déjà lu. C'est parti. Entretien avec un patient numéro 21. Nom du patient, Edouard Nigma, alias l'homme mystère. Alors, Edouard, le directeur Sharp m'a dit que vous aviez encore gribouillé des énigmes menaçantes sur les murs de la ville. Il faudrait être diablement paranoïaque pour voir des menaces dans d'innocentes énigmes, docteur Young. Puis-je vous en poser une? Très bien. Qu'est-ce qui marche à quatre pattes? Puis deux. Et enfin, trois. Un homme. Il marche à quatre pattes étant bébé, sur ses deux pieds quand il est adulte, puis utilise une canne quand il est vieux. Bien tenté. Mais la bonne réponse est un bébé. C'est vrai qu'il marche à quatre pattes, mais couper ses jambes et il ne peut se tortiller que sur deux membres. Donnez-lui une béquille et il peut boitiller sur trois, vous voyez? Ah! Comment pouvez-vous plaisanter sur ce sujet? Facilement, docteur. Ce n'est pas mon bébé.
Entretien enregistré numéro 39, nom du patient Edouard Nigma. À ce stade, je n'ai pas encore décidé si M. Nigma était un candidat adéquat pour le processus Titan. J'aimerais parler de votre enfance. Misérable. Ensuite ? Tout porte à croire que c'est là qu'a commencé votre fascination pour les énigmes. Je pense que parler de ces années pourrait expliquer votre comportement compulsif. Très bien. Mon père me détestait. Il me traitait toujours de crétin. Je vois. J'étais déterminé à lui prouver qu'il avait tort, alors j'ai participé à un concours à l'école. Un prix de $20 pour l'enfant qui résoudrait un problème de logique quasiment insoluble. Bien sûr, j'ai gagné. Ça a fait plaisir à votre père ? À peine. Il était convaincu que j'avais triché. Il criait sans cesse : Tu as dû tricher, admets-le, crétin, tu as triché ! J'ai juré que non. Il m'a frappé pour avoir menti. Désolé d'entendre ça, Edouard. Ne le soyez pas, il avait raison. Entretien avec un patient numéro 44. Encore un entretien avec Edouard Nigma. Je dois me décider s'il est un génie ou s'il se fait seulement des illusions. Peu importe ce qu'il est, être en sa compagnie est à la fois énervant et épuisant. Bonjour, monsieur Hong. Vous semblez fatigué. Vous avez besoin de mon aide ? Non, merci, Edouard. Je suis ici pour vous aider. Comme tout le monde. Pardonnez mon arrogance, docteur, mais si vous pensez que j'ai besoin de votre aide, alors vous êtes au bon endroit. Voyons les choses différemment. Durant votre carrière, vous vous êtes spécialisé dans des pièges bizarres et des indices alambiqués qui ont le plus souvent entraîné la mort des malheureux participants. Et si les citoyens de Gotham étaient plus intelligents ? Mes jeux seraient un simple divertissement. Plutôt que des pièges mortels. Vous devriez vraiment me remercier. Éliminer les ignorants, les idiots, les inutiles. Mais ne vous en faites pas. Je suis sûr que vous, vous survivriez. Quelle charmante photo sur votre bureau, docteur. Votre famille ? Votre mère, peut-être ? Posez ça ! Sortez ! Sortez ! Garde ! Parlons de votre obsession pour Batman. Ce n'est pas vraiment une obsession, monsieur Hong. Je ressens juste le devoir de le dénoncer. Vous savez qui il est ? Plus important, je sais ce qu'il est. Que voulez-vous dire ? C'est évident. Le masque, les armes, la terreur. C'est un criminel. Pas différent du Joker, Double Face ou moi-même. La plupart des gens le voient comme un héros. La plupart des gens sont idiots. Il ne voit pas le méchant, Batman. Dites-moi. Comment a-t-il eu sa voiture ? Et ses armes ? Je ne... Avec l'argent volé par les criminels qu'il bat ! Pourquoi Gordon ferme-t-il les yeux sur ces bouffonneries ? Batman le sous-doit ! Les réponses sont devant vos yeux stupides et ahuris ! Edouard, s'il vous plaît, calmez-vous ! Calme-toi, Gotham ! Aucun homme sain et respectueux de la loi ne fait ces choses-là ! Personne n'est si altruiste ! Batman est aussi vil que les autres ! Sécurité ! Sécurité ! C'est mon dernier entretien avec Edouard. Je suis allée aussi loin que possible. Je ne peux plus tolérer ces sautes d'humeur et ces crises de colère. J'ai un travail plus important à accomplir. Il sera remis au docteur Whistler d'ici la semaine prochaine. Bonjour, docteur. Comment allez-vous aujourd'hui ? Bien, merci, Edouard. Vous êtes de bonne humeur. Je suis toujours de très bonne humeur quand je suis sur le point d'être libéré. Edouard, vous savez que vous ne sortirez pas sous liberté conditionnelle avant 3 ans. La première chose que je vais faire est de dîner dans ce restaurant italien sur la 19e. Sérieusement, Edouard ? J'espère seulement que le Joker n'a pas complètement ruiné la ville. Enfin ! Je le découvrirai bientôt. Vous avez été en contact avec le Joker ? Il s'est évadé d'Arkham il y a des semaines. Et pourtant, on entend des choses. Quelles choses ? Qu'avez-vous entendu ? Oh, une histoire de surprise partie pour Batman. J'ai oublié le reste. Vous connaissez le Joker ? Blablabla, blablabla... Edouard, si vous savez quelque chose, il faut me le dire. Défusons ton jeu. Qu'a dit Joker ? Vous oubliez, docteur, que c'est moi qui pose les devinettes. Et voilà pour Edouard Nigma, alias l'homme mystère. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à sortir du bâtiment. Normalement, j'ai tout bien récupéré, si je me souviens bien. Donc, vous avez vu. Bon, l'homme mystère, sauf peut-être le... Ouais, le moins intéressant. Le moins intéressant.
On doute vraiment si c'est un génie ou si c'est vraiment quelqu'un qui se fait des idées. Hein. Il est un peu space comme bonhomme. Ils sont tous bizarres, les ennemis de Batman. Hop. Plus qu'à sortir d'ici. Hop. Alors oui, pour voir, attends, bah justement, je vais vous montrer. Alors, les défis de l'homme mystère sont rangés bâtiment par bâtiment. Et là, regardez, tac, 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 tac. Bon, ça s'en va à chaque fois que vous en trouvez un. Donc là, ça veut dire vraiment que j'ai tout trouvé de ce bâtiment. Hein. Donc, je vous montrerai ça après avec les autres bâtiments. Il me reste plus que donc le pénitencier à faire. Alors, je termine par celui-là. Pourquoi je termine par celui-là? Parce que, alors, l'énigme principale. C'est-à-dire les esprits d'Arkham, hein, elle se résout, donc la dernière et dernier esprit d'Arkham se résout dans le pénitencier. Il faut simplement retrouver celui, lorsque vous avez tous les autres esprits d'Arkham, il faut simplement retrouver la véritable identité de cet esprit d'Arkham. Donc c'est pour ça, j'espère que vous avez trouvé qui c'est. C'est quelqu'un de récent à cet asile, hein, puisqu'il connaît Croc, il connaît Poison Ivy, il connaît le Joker et Harley, hein, puisque les derniers dont il parlait, le clown et tout ça, c'était Harley qui était amoureuse du Joker. Le clown, c'est le Joker, et puis le surnom affreux, c'est Sharpie, c'est le Joker, hein, qui dit ça. Donc c'est quelqu'un de très récent, de très important donc dans cet asile aussi. Je dis pas de conneries, je crois que j'ai oublié un secret là-bas. On va voir ça tout de suite, de toute façon. J'espère qu'il n'y a pas de fou sur le chemin, que je vais pas me faire attaquer sournoisement. Par derrière encore. Ah bah là vous voyez. Donc là c'est la fête, hein, vous voyez. Depuis le début c'était en construction, vous avez vu ce qu'ils ont construit. Et là il y a des gars avec des écriteaux, tout ça. Il a ce qu'il a écrit. On se fera vendre. Ok. Donc là normalement je crois que j'ai encore un secret à trouver. Juste là. Si je l'ai pas pris. Je me souviens plus l'avoir pris, hein, c'est pour ça. Ouais là-bas. Vous voyez là-bas. Faut encore utiliser la triple. La super Batgriffe. Tac. Zou. Encore un trophée. En direction le pénitencier. Encore un défi verrouillé. Voilà. Déverrouillé. Alors justement, regardez les... Voilà. Arkham West. Arkham Est. J'ai tout! Arkham Nord. C'est classe de tout voir se barrer comme ça. Soit intensif, j'ai récupéré tout le reste. Centre médical, on y vient. Réseau souterrain. Manoir d'Arkham. Pénitencier, là il va en rester, puisqu'il me reste à faire le bâtiment. Donc il reste 2, 3, 4, 5! Jardin botanique, et là j'ai tout fait. Voilà. Donc on y va. Pénitencier. Allez. Et ensuite on ira rejoindre cette petite fête. On est l'invité d'honneur quand même. Faut pas la louper. Voir ce que Joker a préparé. Donc, pénitencier. Les portes sont un peu longues à s'ouvrir dans ce bâtiment.
je dis pas de conneries, il y a un truc là-bas. Je vais regarder un coup de plan. Oui, donc là-bas, c'est là ce qu'il y en a le plus. Et normalement, il y a un truc près du doigt là-bas. Et c'est bon. Donc là, c'est par là. Ouais, c'est par là qu'il faut que j'aille. Ah justement, on va voir la dernière biographie avec Prometheus. Non, si Prometheus. Je me suis dit que je confondais avec le film d'Alien, mais enfin le film d'Alien, le film Prometheus. Je vais regarder. Il fallait la super belle griffe. Pour ensuite envoyer un batarang sur le truc là-bas. Ça fait 3 heures que vous êtes là, vous avez rien branlé. Au moins vous êtes vivant. Voilà, donc un trophée. S'il y a plein de trucs à récupérer là, un trophée. Là, dernière point d'interrogation. Ah bah j'ai tous les défis, vous voyez. Je perds patience. Tu triches. Obligé. Voilà, vous avez vu lieu de l'émission de l'homme mystère. Donc on l'a repéré à force de faire des énigmes, on finit par le repérer. Là-bas. J'ai trop petit. Celle-ci était impossible à résoudre. Comment as-tu réussi? Et je vais lire sa biographie. Prometheus, si ça se dit bien comme ça. Reflet sombre de Batman, Prometheus a été élevé par des criminels abattus par les policiers sous ses yeux. Consacrant sa vie à détruire la loi, Prometheus a parcouru le monde et s'est entraîné à l'art du meurtre. Portant une tenue blindée qui augmente ses compétences naturelles, c'est un assassin expert dont les capacités physiques et mentales rivalisent avec celles de Batman. Mais, attribut. Besoin pathologique de tuer des représentants de l'ordre. Formé à atteindre un niveau physique et mental élevé. Arsenal d'armes et gadgets mortels. Voilà, donc j'ai toutes les biographies, je vous en ai encore une. Hush. Tommy Elliot et Bruce Wayne étaient des amis d'enfance et, chose que Bruce ignorait, des reflets sombres l'un de l'autre. Sociopathe dès son enfance, Elliot essaya de tuer ses parents pour hériter de leur fortune. Lorsque son plan échouait en partie à cause des compétences chirurgicales de Thomas Wayne, le père de Bruce, Elliot tint Bruce pour responsable. Devenu un chirurgien incroyablement talentueux, Elliot élabora un plan complexe pour se venger de la chauve-souris. Il devint le Hush, un être diabolique, la tête couverte de bandages. Il fut vaincu et démasqué par le Chevalier Noir. Hush complote toujours pour se venger de Batman, mettant sur pied des plans retors avec une précision chirurgicale. Attribut. Grande force physique augmentée par une haine pour Bruce Wayne. Chirurgien de renommée mondiale, génie en découverte médicale, maître du camouflage, déterminé à détruire Bruce Wayne. Voilà. Donc, il me reste encore 5 biographies. Là, il y a encore un esprit d'Arkham là-dedans. Ça devait être Crane. Encore un monstre qui mérite de mourir. Pourquoi se complaisse-t-il dans le chaos? Le Joker voulait l'anarchie. Et, en s'échappant, il la répandra sûrement sur ma ville. Voici venue la fin de mon journal. Le Joker sera capturé. Mon histoire sera dévoilée. Je n'ai pas peur. Si Arkham devient ma prison, j'aurai fait de mon mieux. On ne m'oubliera pas. On arrive au bout. Ouvre-toi. Oui. Plus qu'un secret à découvrir, un seul.
Voilà, ici, la tyrolienne. Magique. Dernier secret. Je suis l'esprit d'Amadeus Arkham. Bien qu'Amadeus soit mort depuis fort longtemps, son esprit a pu survivre et hanter les murs de son asile. J'étais fier qu'il m'ait choisi. Quel honneur de poursuivre son œuvre, de nettoyer la ville. Si vous avez assez de volonté pour suivre mon histoire, vous avez la force d'en déduire mon identité. Rejoignez-moi, l'ami. Ensemble, nous sauverons Gotham. Ah, donc, le truc, c'est qu'il faut le rejoindre. Voilà, Edouard Nygma, c'est réglé. Oui, on a envoyé les coordonnées de sa position à la police. Donc à force de résoudre des énigmes, bah, vous capturez la dernière. Bah, vous capturez. Donc c'est bien la dernière énigme. Hein. C'est-à-dire que, donc si je vais dans les défis de l'homme mystère, tac, 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 vous voyez vu, tout en haut, total terminé, 240 sur 240. C'est fini. Mais il reste un esprit d'Arkham. Donc vous l'avez vu, hein, si vous êtes attentif, il reste un esprit d'Arkham. Et en fait, dans l'avant-dernier d'Esprit d'Arkham, vous avez vu, il nous dit de le rejoindre, qu'ensemble nous sauverons Gotham. Donc il faut trouver l'identité de ce bonhomme et le rejoindre. Et bah, si vous avez bien suivi, vous l'avez découvert depuis le début, il a exactement la même voix que le personnage réel dans le jeu, hein. Donc. C'est le directeur Sharp, tout simplement, l'esprit d'Amos Arkham. C'est le directeur Sharp. Et le dernier endroit où vous l'avez vu, on l'avait laissé ici, dans le pénitencier. Ici, exactement. Vous voyez ici, esprit d'Arkham. Je suis Quincy Sharp, l'esprit d'Amadeus Arkham. Vous avez bien fait de déchiffrer mon histoire, et j'espère qu'elle a été utile. Mes textes devraient vous aider à faire le bien. S'il vous plaît, je vous conjure de poursuivre mon œuvre. Cette ville a besoin d'un sauveur. Poursuivez mon œuvre. Voilà. Donc, bah, ça s'adresse un peu. Enfin, Batman, donc, poursuivra l'œuvre. Hein. Il veut protéger la ville de Gotham. Ses paroles ne sont pas tombées dans l'oreille d'un sourd. Hop. Voilà, donc maintenant on peut partir. Allez, à la fête de Joker, enfin! Boss final du jeu. Hop. Boss final du jeu, donc voilà, je n'ai plus rien à vous dire sur ce jeu. Absolument rien. Allez, ouvre-toi. J'ai mal réparti les biographies, hein, c'est-à-dire que il reste encore beaucoup à lire, ça fait chier. Je pense que je ne sais plus qu'il y en avait autant. Là, je vais encore vous en lire deux. Vraiment que je vous les lise toutes avant que le jeu ne soit fini, sinon c'est con. Hein. De vous en laisser, parce que je sais pas quand est-ce que la 9e vidéo arrivera avec toutes les... Donc c'est parti pour Jack Ryder. Journaliste d'investigation devenu présentateur controversé d'un talk show, Jack Ryder est célèbre pour ses méthodes agressives et sa pugnacité dans le travail. Ce que les téléspectateurs ignorent, c'est qu'il est également le Creeper, justifié à la tenue bariolée que Ryder peut,
au prix de quelques efforts incarnés à volonté, bien qu'à ce stade la personnalité obsessionnelle du Creeper prenne le dessus. Le Creeper est habituellement du côté du bien, même si sa santé mentale est fragile. Attribut, journaliste déterminé, connu pour sa pugnacité dans le travail, célèbre pour son talk show controversé, identité secrète, le Creeper. Scarface. La prison de Blackgate de Gotham disposait autrefois d'un gibet auquel 313 condamnés à mort furent pendus. Le bois de cet arbre fut taillé par un détenu pour fabriquer la marionnette Scarface. Ce détenu fut tué par Alan Wesker, qui subit rapidement l'influence de Scarface. Bien que la plupart des gens pensent que Scarface n'est qu'un outil à travers lequel Wesker, sous les traits du ventriloque, exprime le côté sombre de sa personnalité, Wesker lui-même est persuadé que Scarface est possédé par les âmes mortes au gibet et le pousse à commettre les nombreux crimes de ce duo infernal. Attribut, marionnette animée créée par le ventriloque, manie fréquemment des armes petites mais mortelles, associé au ventriloque, agit comme un chef de gang à l'ancienne, doté d'un mépris pathologique pour la vie humaine. Voilà. Le pingouin. Histoire. Alors, le pingouin, l'un des plus vieux ennemis de Batman, est un génie criminel excentrique. Connu autant pour son amour de l'ornithologie et des parapluies gadgets que pour ses affaires louches, le club populaire Iceberg Lounge de Gotham sert de couverture à Gobblepot pour de nombreuses activités financières illégales qui arrosent une grosse partie de la pègre de la ville. Malgré sa petite taille, le pingouin est un ennemi futé dont les parapluies cachent diverses armes et gadgets mortels. Attribut, génie criminel et financier, expert du combat à main nue, poussé par un besoin de faire ses preuves en dépit de son apparence ridicule, utilise diverses armes dont les parapluies et les oiseaux. Donc il me reste encore deux, je vais un petit peu les garder. Donc allez, direction la fête. Et vous allez voir qu'ils ne vont pas m'attaquer. Hein. Pour le moment, les ordres du Joker. Seulement les invités. Si votre nom figure pas sur la liste, vous n'entrerez pas. Voyons, A. Et après, non. B. B. Bane. Ah, voilà, Batman. Hey, on dirait que vous êtes l'invité d'honneur. On l'accueille chaleureusement, les gars! Moi, ça me fait chier! Bande de petites merdes! Yeah. Merde, coupé. Voilà. Moi, je leur pète la gueule quand même aux méchants. Alors regardez bien, c'est super. Alors il y a un succès ici, le succès trouble fait. Donc là vous voyez qu'ils vous attaquent pas, mais par contre si on en attaque un, ils vont tous se mettre sur votre dos. Et c'est le succès trouble fait. Donc moi, trouble fait. Bon, j'ai pas le succès hein, bien sûr. Ah merde! Ah! Au secours! Ah! Ah! Oui, c'est un peu dur de voir tous les mouvements de tout le monde dans ce bordel. Ah! Et puis si. Batman ne réagit pas tout de suite. Hop! On va y arriver! Ah merde! Ah! Tant pis, amélioration! C'est pas grave, de toute façon il faut que je les prenne. Hein, pour avoir toutes les améliorations du jeu. Yeah.
Hop, hop. Et voilà, trouble fait, on a pété la gueule à tout le monde. Allez-moi ça ce bordel. Bon allez, c'est parti. Es-tu excité, Batou? On a travaillé toute la nuit pour en arriver là. Ne me dis pas que tu n'as pas attendu ça avec impatience. Eh bien, moi, si. Surprise! On m'a toujours dit que j'aurais dû faire de la télévision. Tu ne voudrais pas rater ça, vraiment? Ça va péter. 10. 9. 8. 7, 6, 5, 4. 3. 2. Ah, c'était pas une blague. Ça a vraiment pété. Tu gâches tout, hein? En tapant Bane, en livrant l'épouvantail à Croc, en malmenant Harley, Bobby au fait, et en détruisant toutes mes plantes vénéneuses. C'est fini, Joker. Fini? Mon cher simplet de chevalier noir, ça ne fait que commencer. Comment ça, ça fait que commencer? Oh non, 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 la fin du jeu, là, c'est tout maintenant. Donc là, vous avez vu, donc, deux titans. Hein. Donc c'est un peu dur à gérer hein, quand même. Oh. Hop. C'est un peu difficile à gérer hein, comme vous l'avez probablement vu dans un des défis que j'ai eu à faire. À faire dans la dernière vidéo, il y a un défi avec ça où j'avais deux titans à affronter. C'est la dernière manche de bagarre dans la jungle en extrême. Merde. Donc frapper les gars, ça ne sert à rien. Je vous dis tout de suite, ça sert à rien du tout. Vaut mieux battre les deux titans, c'est vraiment ça qui va mettre fin au combat. Donc acharnez-vous sur les titans hein, plutôt. Ah bah voilà, quand je... Ah oh. Je l'ai écrasé. Hop là. Oui, c'est un peu dur à gérer, mais bon, ça devrait le faire. De toute façon, j'ai toujours une amélioration disponible.
Hop là. Donc comme je vous l'ai dit, durant mon défi de bagarre dans la jungle en extrême, si vous sautez au-dessus d'un personnage, c'est-à-dire si Batman prend appui sur un autre personnage lorsque de votre esquive en deux fois sur le bouton A, vous ne serez pas touché par le titan. En revanche... Merde, là je vais me faire toucher. Voilà. En revanche... Non! Merde, t'as pas vu, j'ai pas regardé celui derrière. Ah! Voilà, quand vous prenez appui comme ça sur un personnage, vous serez pas touché. Ah, mais dégage! Merde! Bon, amélioration. Tac! Voilà, ça, je suis tranquille. Ah bah, justement, heureusement que je l'ai pris. Hein. Youp! Putain, hé! Vous voyez, il y a tous les ennemis qui viennent vous faire chier autour quand vous essayez d'en tuer un. De tuer un titan. Donc c'est assez emmerdant. Voilà, dégage. Hop, voilà, là c'est fini. Normalement j'ai gagné. Sont chiants, hein. Hop là. Bien joué, Batman. Tu mérites un prix. Ton vieux pote, le commissaire. Dis donc, il a pas l'air en forme. Allez, on va le secouer. Non. Batman! Allez-vous-en! Oh! C'est parti! On va s'amuser, les enfants! Tu veux résister à la mutation? C'est de la triche! Allez, abandonne! Oh, 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 oh. Alors, tu préfères la manière forte? Batman, comme tu veux. Gilly Gilly. Oh. Oh. Tu gâches toute ma fête. Il m'a fallu des mois pour la préparer. Je voulais juste une fois faire tomber ton masque sinistre et te montrer le monde tel que je le vois. Joyeux et sanguinolent. Mais tu ne m'as pas laissé faire. Je n'ai aucune envie de vivre. L'asile d'Arkham reste verrouillé, laissant les employés à la merci des dangereux prisonniers. Et il y a 10 minutes, nous avons reçu ce message enregistré. Salutations, Gotham. Ici, le Joker. Arkham est à moi. Je sèmerai bientôt la folie dans les rues de Gotham. Tout d'abord, levez les yeux vers les toits et assistez à la destruction de votre chevalier noir. Nous survolons la tour depuis... Attendez! Là, le Joker fait des ciels! Et ce soir seulement, à
as tout gâché. Et pour ça, ton sang couvrira Arkham. Alors, si vous avez bien tout compris... Non. Ah bah déjà ça commence super bien, je me fais toucher. Donc si vous avez bien tout suivi, donc le Joker nous a tiré une dose de titan. Mais Batman, bien sûr, a su résister à la mutation, hein, ce qui montre bien encore que Batman n'est pas que fort physiquement, mais aussi psychologiquement. Hein. Et donc le Joker s'en est injecté une aussi, si vous avez bien suivi. Donc ça a fait une sorte de punk énorme. Vous avez vu les belles crêtes. Ah merde, putain, il a explosé vite fait. Hein. Voilà, donc il faut battre les gars. Et une fois ça fait, on prend la superbe griffe et on tire sur le Joker. Et on le fait tomber. Bon, faut encore spammer le bouton hein, comme un fou. Quand je sortirai de là, je t'arracherai ta vie. Montre-moi ce que tu sais faire. Il va perdre. Et tout le monde le verra. Voilà. Donc le boss est vraiment assez simple, hein, surtout des combats avec les gars qui sont plus chiants, mais sinon le Joker, il n'y a aucun problème. Bon là, il y a sûr des gars des quartiers cellulaires, des gars qui vont chercher des armes aussi. Non, pas ça. Il s'est trompé. Hop. Mais non, putain, il a rien compris. Je voulais qu'il frappe le gars devant. Non, on va frapper le gars là-bas. J'ai qu'il y a une arme. Hop, tac. Donc oui, le commissaire Gordon, bien qu'il se soit enfui sur un bateau peu après notre combat face à Bane, donc apparemment... Je fais n'importe quoi. Apparemment, les gars du bateau, c'était des ripoux, hein, des pourris. Ah, je veux toucher par un truc. Tac. Mais qu'est-ce que tu fais ? Tu mourras pour ça, bateau. Bim. Et deux. Donc oui, et donc pour bien résister à la mutation, et pour pas y gêner, et puis pouvoir vaincre Joker, Batman s'est injecté l'antidote qu'il a préparé à la Batcave, si vous vous souvenez bien. Qui aurait dû servir pour Ivy, et pour finir on a pété la gueule à Ivy. Oh genre, quand je suis en train d'arriver, le gars il me frappe. Je le savais, je vais me faire tirer dessus. Ah, dommage. Je te donnerai quelque chose pour les infos du matin, Gotha. Hop là, elle est la dernière. Cool. Je survivrai. Je survivrai.
survivrai à tout ce que tu m'infliges, Batman. Tu ne me battras pas. Je vais gagner. Prêt pour le prochain round? Toujours. Quoi? Tu ne gagneras jamais. Jamais. Ça va, Barbara. Le GCPD a finalement repris le contrôle de l'asile. Les médecins soignent les blessés. Cela risque de prendre beaucoup de temps. Tous les supercriminels ont été arrêtés. C'est un vrai chantier ici. Et les prisonniers améliorés au venin redeviennent normaux. Pour certains, le procédé est parfois extrêmement douloureux. Papa, comment est-ce que tu vas ? Je survivrai. À ce soir, Barbara. Dommage pour votre voiture. Je vous dépose. Non, merci, Jim. J'attends quelqu'un. Reposez-vous bien. Vous le méritez. Demain, peut-être. Et voilà, l'histoire de Batman Arkham Asylum, c'est fini, c'est terminé, donc ça se termine. Donc Jim, Batman de se reposer. Pour finir, vous avez Harvey Dent qui s'est probablement enfui de l'asile pendant que Joker faisait des siennes. Donc Harvey Dent qui double face, hein, qui est en train de cambrioler la Second National Bank. Voilà, ça se termine sur ça. Comme quoi Batman c'est un héros, il se repose jamais. Voilà, donc j'étais super content de vous faire ce WT1. De toute façon, je vous l'avais dit déjà dans plusieurs autres de mes vidéos que je ferai Batman Arkham Asylum dès que j'aurai la possibilité de filmer mes jeux en HD. Et ben, je vous l'ai fait, c'est le premier jeu HD. Enfin, à part Left 4 Dead, c'est le premier jeu HD que je vous fais. C'est parce que Left 4 Dead c'est sur PC, dans une classe sur 360. Batman Arkham Asylum. Donc voilà. Donc, ce qu'on peut retenir de ce jeu, bah, c'est. Voilà, pour moi, ce jeu est génial. C'est vraiment un des jeux à avoir sur sa console. Ah, si. Voilà, si vous aimez vraiment le jeu vidéo, hein, je trouve que c'est un des jeux à avoir. Voilà, je trouve que c'est un des jeux à poser CD sur la 360. Bon, bien sûr, moi, la plupart des gens que je connais qui jouent sur la 360 jouent beaucoup à Call of Duty et à rien d'autre. Je trouve ça dommage d'ailleurs, parce qu'il y a plein de belles choses à découvrir, comme ce Batman Arkham Asylum. Enfin bref. Voilà. Donc, scénario qui est juste. C'est juste en béton, hein, y a rien à dire. Hein. Y a beaucoup de personnages très célèbres de l'univers de Batman, mais c'est pas y en a pas trop. Ils sont bien amenés dans l'histoire, donc vraiment rien à dire sur ce jeu. L'ambiance est juste énorme, les entretiens, l'esprit d'Arkham, tout ça qui renforce grandement l'immersion dans le jeu. Et voilà quoi. Rien à dire sur ce jeu. Pour moi, il est juste un des titres à posséder sur les consoles next-gen. Voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. Donc il y aura une 9ème vidéo. La vidéo n'est pas terminée, hein, parce qu'il me reste encore 3 défis à faire pour faire le jeu entièrement 100%. Et d'ailleurs, j'ai pensé un truc. J'ai oublié de vous lire les 2 dernières biographies. Merde, c'est pas vrai. Bon, je vais devoir revenir dans le jeu et je vais vous les lire juste après, une fois que c'est fini. De toute façon, il y a encore une petite scène sur la fin. D'ailleurs, je vais vous laisser et je vous reprendrai après.
Putain, mais sérieux, c'est bien long, là, ce... Eh, j'en ai plein le cul, ce générique, sérieux. Putain, mais sortir pour remercier tous les gens qui ont joué au jeu, quoi, c'est pas possible. J'ai pas vérifié, mon nom, il est dedans. C'est quoi, ce bordel? Putain, sérieux, j'ai oublié qu'il était si long, ça fait au moins 10 minutes passées, quoi. Putain, et j'ai encore deux biographies à lire, hein, grouillez-vous. Putain, la moitié de la vidéo, c'est un générique, quoi. Diffusion allemand, mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Ah! Alors déjà, félicitations, vous avez déverrouillé l'armure renforcée pour le mode défi. Donc l'armure renforcée, je crois que c'est une spécialité à l'édition Game of the Year du jeu. Oui, édition Game of the Year du jeu. Pour, voilà, bah, tout simplement, c'est voilà. Et donc ça sert, vous êtes plus résistant. Vous pouvez la sélectionner quand vous faites des défis. D'ailleurs, c'est ce que je ferai pour les prochains défis, hein, comme ça, voilà. Je vous la montrerai. Et comme ça, vous êtes plus résistant, tout simplement, hein, vous êtes plus résistant, c'est tout, il y a que ça à dire. Voilà, alors je suis revenu en mode histoire simplement pour vous lire les deux dernières biographies de ce jeu que je n'ai pas encore lu. Donc Bane, emprisonné à la naissance pour purger la peine de son père décédé, Bane grandit dans l'environnement impitoyable de la prison de Santa Prisca. Son seul ami dans cet enfer est un ours en peluche qu'il a appelé Osito. Se réfugiant dans la lecture et la méditation, il acquit une concentration hors du commun. Quand il fut l'objet d'expériences militaires sur un stéroïde expérimental répondant au nom de code de Venin, sa volonté sans faille l'aida à survivre alors que les autres cobayes succombèrent. Il parvint à s'enfuir. Déterminé à faire ses preuves, il retrouva Batman et lui brisa le dos. Mais le chevalier noir se remit et parvint à battre Bane en le privant du venin qui lui permettait de se transformer en surhomme. Marquez que sa taille, sans venin, c'est 1m67, donc il est pas forcément costaud, quoi. Attribut, grand stratège, grande concentration, réaction anormalement forte au venin qui améliore énormément ses capacités physiques, déterminé à vaincre Batman et tous ceux qui osent le défier. Et je garde le meilleur pour la fin. Catwoman! Orpheline très jeune, Selina Kyle a dû apprendre à se débrouiller seule dans les rues de Gotham City. Elle vole pour survivre, mais elle le fait avec style. Elle a appris les arts martiaux et est devenue une cambrioleuse hors pair. Ses activités criminelles sont souvent contrebalancées par un altruisme hésitant, faisant d'elle une criminelle inconstante et parfois même une super-héroïne. Elle déjoue régulièrement les pièges du chevalier noir et entretient avec lui une relation complexe et conflictuelle, souvent teintée de séduction et parfois même d'une réelle romance. Ouh. Attribut, gymnaste et athlète expérimenté, experte du combat à main nue, très douée avec son fouet spécial, un chat à neuf queues, très grande capacité d'infiltration, obsédée par le vol d'objets célèbres très bien protégés, attirée par les motifs félins. Et voilà. Donc voilà, je vous ai tout lu, les biographies, je vous ai fait tout le jeu. Les défis, les trois derniers arrivent, les défis de base du jeu arrivent. Bah, juste après, là. Et voilà. Donc j'espère que ce WD vous aura plu au final. Donc bien sûr, il y aura une 9ème vidéo qui arrivera je sais pas quand, hein, je vous l'ai dit. Avec les défis PS3 et les défis de l'édition Game of the Year. Je vous montrerai aussi les figurines dans la 9ème vidéo. Donc, même si je pourrais vous les montrer là, mais voilà, je préfère les montrer pour la 9ème vidéo. Ce sera plus cool quand ça arrivera, hein. Et sinon, bah voilà, si j'ai fait des erreurs, j'en suis, n'hésitez pas à me corriger. Ah, si vous avez vu aussi à la fin, on voit Bane choper une case de titan. Et ça, c'est seulement en mode difficile. En mode normal et en mode facile, ce sont des autres personnages. Alors, je sais plus lequel, pourquoi. Il y en a un, c'est Croc, et il y en a un autre, c'est l'épouvantail. Voilà. Mais en difficile, c'est Bane. Et ça correspond mieux avec la suite du jeu, de ce jeu, qui est Batman Arkham City, que je vous ferai un jour. Mais pas pour tout de suite. Donc voilà, j'ai plus qu'à vous dire donc à plus tout le monde, à tout de suite pour les défis. Et à la prochaine, ou bien pour un nouveau WT. Bye! Re tout le monde, et on se retrouve pour les trois derniers défis de Batman Arkham Asylum. Pour compléter le jeu à 100%, hein, bien sûr. Sinon, il y a d'autres défis, mais que je vous dis... On refera dans une 9ème, que je ferai dans une 9ème vidéo quand je pourrai.
Voilà, donc les trois derniers films pour faire le jeu à 100%. Hein. Je vous l'ai dit, je finis tous les jeux à 100%. Donc oui, vous avez vu, j'ai sélectionné l'armure. Vous avez vu, l'armure est un peu spéciale. Elle est un peu bizarre, il y a des trucs bleus sur les bras et tout. Je sais pas trop... Voilà. Parce que à quoi sert tous ces nouveaux petits gadgets, je sais pas. Comment dire. Donc oui, donc il reste trois défis. Donc deux défis prédateurs et un défi combat. Donc ce défi prédateur là, donc on n'a pas encore fait cette map là. Donc faudra la refaire en extrême après. Donc je me souviens plus du nom par contre. Prédateur invisible, voilà. Défi prédateur, prédateur invisible, voilà. Donc alors il faut les trois trucs à faire. Donc il faut avec l'explosion d'un seul mur mettre trois gars par terre. Ensuite faire une explosion à proximité avec le jet explosif, c'est-à-dire que vous mettez le jet explosif et grâce à une amélioration qu'on a achetée dans le scénario du jeu, lorsqu'un gars marche bien dessus, faut pas dire qu'il marche dessus, hein, et bien elle pète. Donc il faut faire ça, plus encore une élimination juste après être sorti d'une trappe. Les trappes, ce sont les petits trucs. Il y en a une juste devant, vous voyez le mur là. C'est ça, les trappes. Bon, là, j'ai éliminé un gars, vous avez vu. Comme ça, par élimination par derrière, classique, pour attirer d'autres gars. Voilà. Ensuite, j'en ai mis 4 avec l'explosion au lieu de 3, donc c'est pas mal. Ensuite, je mets un petit gel explosif. Il y en a un gars qui m'a repéré pendant ce temps-là. Donc, avec le gel explosif, j'espérais qu'il aurait marché dessus. Le gars qui arrive là, qui aurait explosé. Mais non. Donc, faut vraiment bien qu'il soit dessus, hein. C'est pas n'importe quoi, il va finir par exploser, mais c'est un peu abusé. Je parie que vous avez hâte de sortir de là, de sentir le soleil chaud sur... Et eux, ils me repèrent. Le truc, il veut pas péter, hein. Voilà. Là, ça a pété. Sans que je l'ai besoin de l'enclencher, hein. C'est explosion à proximité. Je sais pas pourquoi elle a pas pété avant, j'en sais rien du tout. Tant pis. Voilà, donc ça fait 2 que j'assomme. Donc ça les tue pas, l'explosion à proximité. Par contre, donc, ça les tue pas, ça les assomme pas. Ensuite, voilà, par la trappe, j'attends qu'il se retourne. Tac, je sors et tout de suite, hop, je chope. Voilà. Et bizarrement, ce défi-là est plus dur en normal qu'en extrême. Je l'ai trouvé plus dur. J'ai trouvé une méthode plus simple, en fait, en extrême. Avec d'autres trucs à faire. Donc en 2 minutes une, bon, ça va, c'est respectable, on va dire. Bon, je vais passer sur un défi combat. Donc oui, on a l'armure spéciale, hein, une fois qu'on a terminé le jeu. Je pense que c'est quelque chose de spécial à l'édition Game of the Year, je suis pas sûr. Mais bon, je suis quasi sûr, quoi. Voilà, donc... choc et effroi en extrême. Défi combat. Donc c'est la map où le sol est électrifié au bout d'un certain temps. Donc il y a un temps limite avant de terminer. On nous impose un temps limite pour terminer la manche. Voilà, donc là, ce qui est chiant, c'est qu'il y aura beaucoup de gars des quartiers solaires. Vous avez vu, sur 6 gars, il y en a 2 déjà, c'est un peu chiant. Parce que les gars des quartiers solaires, je répète, on peut pas les attaquer par devant. Faut soit les étourdir avant, soit vous leur faites une élimination. Voilà. Ensuite, il y aura beaucoup de gars avec des matraques aussi. Un mélange des deux, quoi, donc voilà, j'ai plus rien à vous enseigner, moi, le mode combat. C'est toujours quasiment la même chose, hein. C'est la même technique, varier les coups, augmenter le bonus de variation, essayer de faire des éliminations au sol parce que ça rapporte fois 100. S'écarter du groupe pour faire un triple batang et une triple bat griffe, ça met 6 gars à terre. Ça laisse le temps de faire une élimination au sol. Voilà. Voilà, je me suis fait frapper. Parce que, vous avez vu, quand même, Batman est plus lent que ses adversaires. Parce que j'ai frappé en même temps, quoi. Le coach, je voyais qu'il allait m'attaquer. Mais bon, je frappe en même temps. Mais non, Batman est plus lent que ses adversaires. C'est bizarre, hein. Enfin, bref, c'est pas grave. Tant pis, hein. De toute façon, je vous l'ai dit, c'est pas pour battre un record mondial dans mes vidéos. Je vous montre le jeu à 100%, quoi, c'est tout. Les défis qu'on bosse, ça sert vraiment à rien que je les montre, en fait, hein. À la rigueur, pour vous expliquer les techniques, mais après, c'est tout. Ça ne servit à rien, c'est juste pour vous montrer le jeu à 100%. Je vous l'ai dit, je termine à 100%. Voilà. Ça sera fait. Encore ça, les défis prédateurs, ça, c'est une méthode. Donc ça, à la rigueur, le montrer, c'est bien. Pour faire 30 000 points pour arriver aux médailles d'or. Voilà. Il y a un gars qui est parti chercher une arme dans la manche précédente, vous avez vu. Et l'arme, elle est toujours là.
Donc faire attention aux gars pour pas qu'ils me tirent dessus. Là je me suis fait avoir, c'est bizarre, je vais pas savoir parce que je vois bien le gars arriver. Ah bref, c'est pas grave. Élimination directe aussi, c'est pas mal, hein. C'est x75. C'est plutôt pas mal, et c'est plus facile, bien plus facile à caser que... qu'une élimination au sol. Mais il faut un combo de 5, il faut qu'on a toutes les... Ouais, là j'étais un peu stressé parce que j'avais le temps qui se terminait, et si le temps se termine, bah électrocution du sol et c'est mort pour moi. Donc je suis un peu dépêché sur la fin, j'ai un peu fait n'importe quoi. Il y a encore un Victor Zaz. Ah voilà, frappé. Ah c'est moche, c'est moche. Plug 10 secondes, 8, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, non, 2. Et voilà, donc pour les 30 000 points, largement au-dessus. Vous pouvez largement faire beaucoup mieux que ça, franchement. Ne pas se faire toucher, c'est largement faisable. Juste que voilà, je fais ça juste pour vous montrer, quoi, c'est tout. Vous pouvez vraiment faire beaucoup plus. Alors voilà, maintenant dernier défi du jeu. Donc le même map que juste avant là, c'est-à-dire ce sera Prédateur Invisible, mais en extrême. Par contre je sais plus. Alors ouais, il faut à l'aide de la super bad griffe faire passer 3 gars au-dessus d'une rambarde. Voilà. Ensuite sur cette map, c'est pour faire ça que sur cette map, il faut faire effondrer le sol grâce à la super bad griffe, faire effondrer 2 gars. Le sol sous 2 gars. En même temps, bien sûr, grâce à Super Bad Griff, il n'y a qu'un seul endroit pour faire ça sur cette map, voilà. Et surprendre un gars, c'est-à-dire qu'il ait peur de vous au moment où il vous voit, pour ensuite lui mettre sa pâtée. Voilà. Vous voyez. Alors moi, je vais commencer de manière bien spéciale, avec un bâton Sonic. C'est le meilleur moyen que je trouve pour commencer. J'assomme, en fait, je mets à terre le gars là-bas, vous allez voir. Voilà, je fais exploser, tac. Comme ça, ils sont tous attirés là-bas. Et là, c'est facile pour moi de faire l'attaque à la super bad griffe, les trois. Regardez comment c'est super facile. Qu'est-ce qui s'est passé ? Zou. Voilà. Maintenant, les deux, il y en a deux qui vont se diriger vers les trois gars qui viennent de tomber. Et les deux autres, par contre, restent dans la salle de contrôle de la pompe. Hein, si vous vous souvenez de l'endroit là dans le scénario. Et voilà, donc moi je vais en dessous, je tire le sol. Et... voilà, deuxième truc réalisé. Et enfin, faut faire peur à un gars. Donc là, moi j'attends, généralement ils sont assez bien séparés. Donc il y en a un que je balance en... que j'ai essayé de balancer. Voilà. D'habitude, j'arrive à le tirer au-dessus, mais là, j'ai pas réussi. Là, je me demande où il est, mais je sais pas. Faut finir, il est encore au-dessus, cet enfoiré. Donc là, je me dis, bah, je vais le retirer, c'est pas grave. Pour finir, non, je sais pas où il traînait, mais bon, c'est pas grave. Et il en reste un. Alors lui, il faut le surprendre. Alors pour le surprendre, il faut déjà... faut pas qu'il court. Parce que s'il court, ça veut dire qu'il est en alerte. Il faut qu'il soit un peu stressé. C'est-à-dire qu'il voit qu'il se retourne, qu'il cherche un petit peu, voilà, comme il est fait là. Et vous passez direct devant lui, tac, comme ça. Et là, il aura peur. Voilà. C'est un peu chiant comme truc, mais bon, c'est vraiment... voilà, c'est dire pour faire ça en dernier défi, quoi. Un truc un peu différent des autres... des autres méthodes voulues. Bon voilà, donc voilà, fin du WT total de Batman, c'est-à-dire les jeux à 100%. Il y aura une 9e vidéo pour les décomptes des défis spéciaux,
du Joker sur PS3 et de l'édition Game of the Year. Voilà, sinon, ben, j'espère que ça vous a plu et à plus pour un prochain walkthrough. Bye!